Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ah mon dieu, comment vais-je faire? Je ne sais pas, je suis embêté parce que je tends toujours à être le plus objectif possible. Et il est revenu, l'oracle Fontaine! Oui, enfin, c'est une victoire! Bon, après m'être fait copieusement insulter sur ma vidéo où je présentais le jeu, il y a déjà quelques années, mais où je présentais le jeu qui n'était plus disponible et que j'avais eu en exclusivité parmi l'un des derniers exemplaires de la part d'Emily Porte elle-même. Voilà, en personne, je m'étais un peu fait incendier en disant « Oui, tu présentes un jeu qui est plus disponible, c'est n'importe quoi, on le trouve plus, marre, je m'en fous, je m'en vais. » Donc bon, finalement vous n'êtes pas parti, vous êtes toujours là. Mais voilà, finalement, je me suis un peu battu, j'ai bataillé, j'ai fait des pieds et des mains en disant je veux que le jeu ressorte. Je crois que j'ai un peu harcelé Emily en passant. Et puis bah finalement, voilà, le jeu est de retour pour nous jouer un mauvais tour, hein, comme dirait la team Croquette. Et puis, quelle version, quelle édition, je trouve d'une meilleure qualité encore que la première, dans un magnifique coffret, solide, dur, très bien. La première édition était très bien, un peu molle au niveau du coffret, malheureusement. Le coffrage en lui-même à l'intérieur n'était pas forcément pratique. Mais alors là, c'est une pépite, c'est une merveille, au-delà de, effectivement, de ce que j'attendais. En plus, en relief, hein, dessus, quand vous touchez les illustrations comme ça, c'est en relief, alors vous me direz, ça ne sert à rien. Non! Non, ça ne sert à rien, mais puisque ça ne sert à rien, c'est parfaitement indispensable. Donc, donc voilà, je vous présente à nouveau, une fois encore, l'oracle Fontaine, mais qui est cette fois-ci disponible évidemment dans le commerce. Donc vous pouvez le retrouver. Voilà, vous avez toutes les références là-dessus aux éditions Grancher, Grancher, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Je me trompe. Au prix de 29 €, ce qui est tout à fait correct pour la qualité de ce jeu, pour la qualité du coffret, la qualité de l'impression, et puis évidemment la qualité de l'ouvrage. Hein. J'ai vanté moult moult les mérites de l'ouvrage qui est écrit, puisque je passe mon temps à pester après les créateurs en disant « Mais vous avez fait vraiment le strict minimum, il n'y a rien d'écrit dedans, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas assez d'exemples, on ne voit pas de tirage. » Enfin, là, tout y est. C'est-à-dire que ce jeu, si je devais décerner la palme du jeu pour moi le plus parfait qui puisse exister, je pense, tout jeu confondu, vraiment sans aucun doute, c'est celui-ci qui le remporte, de très loin. Donc voilà, donc je vous le représente à nouveau. L'oracle Fontaine. Alors oui, les cartes sont pas dans l'ordre parce que j'ai déjà eu un petit peu l'occasion de l'utiliser. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau, je suis tellement content. Il est beau, il est super, je suis ravi, je m'extasie depuis que je l'ai entre les mains. Et merci Émilie, évidemment, de me l'avoir fait parvenir. Je suis tellement heureux et merci pour ton petit mot qui m'a évidemment profondément touché. C'est un vrai bonheur d'avoir pu voilà, mettre ma petite patte sur ce désir de le voir réimprimé et redisponible. Alors, je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu un peu comment il fonctionne. Nous avons deux jeux de cartes en un. Le premier qui est fait de grandes cartes basées sur. Alors je ne sais plus combien. On a 39 cartes en tout, mais je ne sais pas. On a 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on doit en avoir 26 parce qu'elles sont associées à chacune des lettres d'alphabet. Donc je vais vérifier. 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah oui, 27. C'est vrai, il y en a une de plus parce qu'il y a la carte Joker. La carte chance. Voilà, qui est une petite fontaine, évidemment, ça va de soi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord des illustrations qui sont superbes. J'adore, ce jeu a été illustré par Laure de Matarel avec un style graphique qui est exactement ce que je veux. Alors, je ne sais pas du tout, je sais pas du tout si vous connaissez ce vieil animé que moi je regardais quand j'étais tout gamin, qui s'appelle Les Histoires de la Maison Bleue. C'est un animé, une petite série de dessins animés qui n'est pas disponible malheureusement dans le commerce, on ne le retrouve pas, mais j'ai discuté avec la créatrice et elle m'a dit que normalement ça serait disponible prochainement en DVD, ils vont faire une sortie, donc je suis très très content. Et c'est un dessin animé qui raconte l'histoire, donc une série d'animés qui raconte l'histoire de Madame Dodie, qui est une vétérinaire qui vit rue de la Filature et qui recueille tout un tas d'animaux, dont un petit chat vert qui aboie, voilà, enfin elle fait miaouaf et qui s'appelle Vertoline. Et c'est un dessin animé magnifique, et en fait le style graphique est très proche de ce style-là, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve un peu dans ce goût-là. Et forcément, quand je suis tombé sur ce jeu, je n'ai pas compris pourquoi j'avais autant de plaisir à le voir graphiquement. Et en fait, Laure de Matarel a un style qui est très proche de ce type de dessin qu'on voit dans cet animé. Donc,
Moi, ça fait vibrer ma corde sensible. Pour ça, j'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas être objectif. Clairement, je ne suis absolument pas objectif. Vous allez peut-être vous procurer ce jeu, dire mon Dieu, il est horrible, ça ne sert à rien, je n'en veux pas, vraiment, j'écouterai plus Kevin. J'assumerai complètement. Ce jeu est pour moi la plus petite pépite de poésie sur laquelle j'ai pu mettre la main. Et ce style graphique est juste. Voilà. Là, par exemple, dans le dessin animé, on a toujours la lune qui est de profil avec une espèce de gros nez. Et moi, quand je vois voilà, cette lune-là, j'ai l'impression de la revoir. Et ça me touche vraiment. Donc on a la carte chance, la lune, la récolte, je regarde parce que je regarde mon écran, mais à mon écran je vois rien. Équilibre, la porte, le bonheur, l'amour l'amant ou l'amour l'aimé, hein, c'est dans un sens ou dans l'autre. Et vous verrez qu'à chaque fois il y a toujours une lettre hein, de l'alphabet qui est associée. L'obstacle, la passion, la communication, libération. Protection, conquête, la mer, la fin, la mer j'aime beaucoup, il y a un truc, c'est un vrai voyage, vraiment. Lord Matarel a un talent incroyable. Intellect, la lutte, l'angoisse, effectivement, on est bien effectivement dans une espèce de cauchemar freudien. Le ciel, l'aube, le silence, le choix, la réalisation. Le renversement, le voyage, le soleil et la société. Voilà, donc on a 27 cartes qui ne sont pas forcément des plus simples à comprendre comme ça. Certaines sont assez fluides, assez évidentes. D'autres nécessitent peut-être un peu d'information. Je vais d'abord vous présenter ça, puis après je vais vous parler de l'autre. Quand on fait un tirage toujours avec les grandes cartes. Et ensuite, pour préciser le sens, on a ces cartes-là qui sont des cartes de couleur sur lesquelles sont représentées à chaque fois quatre significations. Voilà, une en haut, en bas, à droite, à gauche. Et en fait, quand on tire, simplement, on peut tourner voilà, les cartes dans tous les sens comme ça. Et à un moment donné, on va aller piocher une carte et puis on va voir, la retourner dans le sens qu'on veut. Et on va aller regarder la signification, donc là, dans le sens évidemment vers lequel on le retourne pour avoir le mot devant nous. Hein. Donc, on a à chaque fois toujours des significations qui sont plus ou moins positif, par exemple, on a l'ambition qui peut devenir l'infidélité, ça peut devenir la rébellion ou la constance. Voilà, donc en fonction du sens dans lequel la carte va être tournée, on va avoir une signification supplémentaire qui va s'ajouter à l'autre. Ça, c'est optionnel, on n'est pas forcé de l'utiliser. Hein. Si ça, c'est suffisant pour vous donner une interprétation, on n'a pas besoin forcément d'aller plus loin. Et ensuite, on a l'ouvrage. Et là, vraiment, voilà, pavé. C'est un pavé, mais c'est exactement ce qu'il faut. Je n'attends pas plus, pas moins d'un ouvrage accompagnant un jeu. Donc c'est un vrai plaisir que d'avoir voilà, cet ouvrage-là. Donc je ne sais pas si on avait la date de première édition, je regarde, hein, je n'avais pas vérifié. Non, donc je ne sais pas en quelle année avait été éditée la première version, je ne sais plus. Il faudrait que je me repenche dessus. Voilà, avec bon, bah, évidemment le sommaire, à la découverte de l'oracle Fontaine, une petite présentation hein, sur les images, la naissance de l'oracle, donc ça je vous laisserai potasser tout ça, un compagnon de vie, les cartes allongées, les cartes de couleur, donc on a les deux catégories, et donc on arrive dans la catégorie des cartes allongées, et là c'est super, c'est vraiment super. On a la carte, la description de la symbolique, toujours une petite phrase, une interprétation, c'est-à-dire quel sens on peut lui donner, on retrouve la carte, l'impression, enfin, la qualité d'impression est top. Dans le milieu affectif, dans le milieu professionnel, dans la forme et la santé, et après, des petits mots-clés et des informations supplémentaires. On ne peut pas attendre plus que ce qu'on a là. Vraiment, c'est parfait. On a une notion pour aller plus loin, le rythme et la période pour voir la datation, et des exemples d'association avec d'autres cartes. C'est parfait. C'est parfait. Je n'ai vu aucun auteur, aucun, qui a, dans le livret accompagnant le jeu, fait autant d'efforts pour peaufiner la signification, pour accompagner le praticien dans sa lecture du jeu. C'est une pépite, c'est une pépite, c'est une merveille. On a absolument tout dedans. Et donc, on a évidemment toutes les cartes allongées. Et puis après, on arrive sur les cartes de couleur. Et là, les cartes de couleur, c'est pareil. On a la couleur et symbolisme, les cartes carrées de couleur, une interprétation, puis un peu d'alchimie. Et puis après, on aborde
le sens des couleurs. Donc la symbolique, par exemple ici, la symbolique du vert, les différents mots-clés, les pierres associées, la saison associée. Voilà. Et ça, pour chaque carte, évidemment, encore des petits mots-clés, des exemples d'associations. Et c'est dément. C'est vraiment dément. Je vous ai dit, je ne suis pas objectif, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, ouais, ça ne vous plaît pas. Les méthodes de tirage, c'est... Voilà, tout est là. Tout est là, vous achetez ce coffret, vous n'avez besoin de rien d'autre. Clairement, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de faire des formations, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres ouvrages. De toute façon, sur le sujet, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vous demander quel tirage je peux faire, tous les tirages y sont. Enfin, voilà, c'est parfait. C'est vraiment l'ouvrage parfait. Alors, j'ai été pénible avec ça parce que... Parce que j'ai vraiment gonflé tout le monde en disant je veux qu'ils ressortent, je veux qu'ils ressortent, faites de la pub, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur YouTube. J'ai les copains qui l'avaient, je leur ai dit faites des vidéos pour ceux qui l'avaient mais qui n'avaient pas de chaîne, je leur disais parlez-en sur Facebook, il faut que les éditeurs le remarquent. Ça y est, voilà, c'est fait, il est ressorti. Et puis, vous allez pouvoir vous éclater avec. C'est vraiment, je pense que c'est l'un des rares jeux, je pense même pouvoir dire, c'est le seul jeu de tous ceux que j'ai, et Dieu sait que j'en ai un paquet suffisant pour avoir besoin de 3 chiffres pour les compter, c'est le seul jeu auquel je donne franchement un 10 sur 10 sans la moindre hésitation. Et spécifiquement dans cette édition-là. L'édition précédente aurait été 9 sur 10 à cause du package qui était un peu plus léger et moins solide. Celui-ci mérite un franc 10 sur 10. Et comme en plus de ça, je suis amoureux de ce jeu, je rajoute un petit point de plus. C'est ma minute Dumbledore qui rajoute des points à Gryffondor. Super, vous avez fait votre lit. 10 000 points supplémentaires. C'est un peu ça. Et comme en plus de ça, Emily Porte a le culot d'être adorable, d'être gentille, d'être patiente et pertinente, et en plus d'être une super voyante, parce que moi, quand je l'ai rencontrée, on est allé prendre un verre, elle ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, elle ne savait absolument pas qui j'étais. Elle m'a fait une voyance de 2 mois en me disant voilà, mes goûts, tout ce que j'aimais. Elle m'a parlé du Japon, des langues étrangères. Elle m'a vraiment lu voilà, intégralement en 3 minutes. Voilà, je rajoute encore un point de plus, donc c'est un jeu qui vaut un 12 sur 10. Voilà, donc merci, bravo, merci. Et c'est pour ce genre de jeu que nous sommes des collectionneurs, et c'est pour ce genre de jeu que nous sommes des amoureux et des cartophiles. Et j'ai eu vraiment une énorme poussée d'émotion quand je l'ai eu, parce que je me suis dit ouais, ça c'est vraiment bon, et c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ce genre de jeu qu'on veut, c'est ça qu'on veut dans le commerce. C'est quelque chose d'aussi travaillé, d'aussi fin. Alors évidemment, chacun avec son style graphique, chacun avec sa manière d'écrire, mais d'avoir cet accompagnement, d'avoir cette solidité du jeu, cette qualité dans les impressions, voilà, ça ne demande rien de plus. C'est un parfait, c'est un 12 sur 10. Merci beaucoup. Voilà, Emily, je crois que tu peux être fière de toi, et tu peux être fière de ce jeu. Et évidemment, bravo, bravo, bravo à Laure de Matarelle pour son talent d'illustratrice. Alors, malheureusement, je ne sais pas trop comment je pourrais lui envoyer mes félicitations. Je ne la trouve pas sur Internet, je ne sais pas trop où elle se trouve. Mais en tout cas, voilà, c'est une pépite, c'est vraiment une merveille. Donc, allez-y, foncez, n'ayez même pas la moindre hésitation. Ce jeu est impérativement à avoir. Et si jamais vous avez envie de vous amuser à faire un tirage de cartes avant de l'acheter juste pour vérifier, vous pouvez très bien aller sur le site d'Emily Porte. Alors, j'ai plus l'adresse, je ne sais plus si c'est pas emilyporte.com ou .fr, je ne sais plus. Ça sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire les tirages en ligne directement de ce jeu-là. Alors, également, Emily Porte a d'autres jeux, d'autres tarots et oracles. Je crois qu'il y a son tarot de Marseille qui a été réédité récemment, je crois, il me semble, à vérifier. Moi, j'ai un autre de ces jeux de tarot ici qui, pareil, est une merveille également. Donc voilà, c'est une vraie pépite. Donc allez-y, les yeux fermés, mais après, vous pouvez les ouvrir, évidemment, c'est plus pratique. En tout cas, profitez bien de ce jeu, amusez-vous avec, dites-moi si vous l'avez aimé, si vous avez pris le temps de vous le procurer et d'en faire des tirages et de voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis, si jamais vous aussi vous avez un coup de cœur qui est un 11 ou 12 ou 13 sur 10, n'hésitez pas à en parler en commentaire, je suis toujours intéressé et interpellé par voilà, les lauréats au César du jeu de tarot ou de l'oracle. Voilà, bon, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, d'ici là, prenez soin de vous et puis à tout bientôt. Salut !